d'habitude. Tout le monde s'en fiche. Tout seul. Je vais manger mon gâteau et boire mon vin. Allô, maman? Allô, ma puce. Tu vas bien? Maman, je vais bien. Et toi? Je vais bien. Où es-tu? Je suis à l'appartement. Je suis sur le point de sortir. J'ai des cours ce matin. Oh, très bien. Qu'en est-il de ta sœur Sonia? Est-elle là? Maman, non. Elle n'est pas là. J'essaye de la joindre depuis hier soir, mais son téléphone est éteint. Vraiment? Elle est partie plus tôt. Alors, elle a laissé son téléphone à la maison? Non, maman, c'est évident qu'elle est allée avec son téléphone, mais... je pense que sa batterie est à plat. Maman, mais tu sais à quel point on a des coupures de courant par ici. J'aimerais vraiment lui parler. Ok, ne t'en fais pas. Immédiatement, j'essaierai de la joindre et je lui dirai de te rappeler immédiatement. Ok, c'est d'accord. Assure-toi qu'elle m'appelle le plus tôt que tu l'auras, d'accord? Je ne manquerai pas de le faire, maman. Prends soin de toi. Je suis déjà en retard pour les cours. D'accord. Passe une merveilleuse journée, ma chérie. Bye. Je t'aime, maman. Je t'aime. Bye. Sonia. Dieu, ça ne passe pas. Pourquoi son numéro ne passe-t-il pas? Cette fille veut me mettre dans un sale pétrin. Elle vient de me pousser à mentir à notre mère. Où peut-elle être? Où est-elle? N'est-elle pas censée être rentrée déjà? Je ne sais pas, j'insisterai. Je suis déjà en retard. Je suis déjà en retard.
Dans combien de temps comptes-tu venir? Mais où es-tu? T'attends au même endroit depuis. Et pourquoi son numéro ne passe-t-il pas? J'attends depuis un quart d'heure maintenant. Je suis près de ma voiture, sur... Oui, sur la même route que l'on a prise. L'on a prise l'autre jour, oui. Oui, je... Mais qu'est-ce qu'elle fout pour l'amour du ciel? C'est quoi son problème? Je suis là, au même endroit. La même route. Ouais. Hé, hey, mec, pourquoi son numéro ne passe-t-il pas pour l'amour de Dieu? Salut, beauté. Comment tu vas? Bonjour, cher inconnu. Bonjour. Regardez ce climat. Et je pense que c'est une offense de vous faire marcher sous un soleil pareil. Accordez-moi le privilège d'être votre chauffeur pour cette journée. Pardon? N'est-ce pas assez tôt pour faire une scène? Pitié, je n'ai pas le temps pour tout ça, ok? En plus, je ne vous connais même pas. Et je sais, écoutez, mais le climat... Fichez-moi la paix. Allô, maman? Est-elle rentrée? Maman, je ne l'ai pas vue. Je l'ai cherchée partout, mais je ne l'ai pas vue. Et maman, personne n'a de ses nouvelles. Chérie, je n'aime pas ce que je ressens. Attends, quand as-tu dit qu'elle a quitté la maison? Annabelle, tu es là. Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas? Non, maman. Je ne l'ai simplement pas encore vue, mais je suis certaine. Je crois au fait que je la verrai. J'aimerais juste aller voir quelques personnes pour voir s'ils ont de ces nouvelles. D'accord. J'attends. Ok, maman. Je t'appelle dès que j'ai quelque chose. Merci, maman. Bye. Quelle partie de fichez-moi la paix, vous ne comprenez pas? Vu votre appel, il y a sûrement un problème. Je pourrais vous être utile. Je pourrais vous déposer pour que vous alliez un peu plus vite. Je ne veux pas de votre aide. Laissez-moi tranquille. Vous êtes sourd? J'ai dit que je n'ai pas besoin de votre aide. Il suffit juste d'une minute pour apprendre à connaître quelqu'un. Je crois que vous pensez probablement ne pas me connaître. Ok? Écoutez, vous n'avez rien à perdre. Tout ce que je veux, c'est de vous déposer avec ma voiture. Et je n'hésiterai pas à le faire ou que ce soit. Laissez-moi vous déposer. Juste vous déposer et rien d'autre. Je vous dépose. Vous me déposez. Juste ça. Vous n'allez pas me demander mon numéro. Non. Vous n'allez pas demander mon nom. Du tout. Juste me déposer. Rien que ça. Et c'est tout. Et ça sera tout. Vos désirs sont des ordres. Je vous déposerai peu importe où vous le souhaitez. Puis-je vous conduire jusqu'à ma voiture et vous déposer? Oui. Pas moyen. Ce n'est plus drôle du tout. Ce n'est pas drôle du tout. C'est très évident qu'il y a un truc qui cloche ici. Je veux dire, je n'ai pas pu avoir de nouvelles de Sonia depuis la nuit dernière. Maintenant, c'est clair qu'Annabelle évite mes appels. Oh non. Non, je ne resterai pas là jusqu'à ce que les choses s'empirent. Je dois faire quelque chose.
Oh mon Dieu. Salut. Salut, frère. T'es rentré? Oui. Quoi de neuf? La journée a été... Super. Dis, sur quoi travailles-tu? Je travaille sur ce nouveau design du nouveau jeu de ma copine. Encore du bénévolat? Mayo, tu n'attends pas ce que je prenne de l'argent à ma copine. Je le ferai par amour, tu sais. Mais qu'est-ce que l'amour a à y voir là-dedans? Qu'est-ce que l'amour a à voir avec le fait de gagner de l'argent au quotidien? Je trouverai un nouveau job bientôt. Mais en attendant ce job de rêve, ok? Tu pourrais te servir de tes connaissances en graphique design et gagner beaucoup d'argent au lieu de le faire gratuitement pour je ne sais qui. Mayo, oui? S'il te plaît pour aujourd'hui, je ne suis pas prêt pour tes serments. Parlons de toi, comment était ta journée? Tu me fais vraiment marrer. Tu veux changer de sujet, c'est ça? Ou bien, j'ai passé une merveilleuse journée, je vais te raconter dans les détails. Ok. J'ai rencontré une très belle fille. C'est exactement ce que je disais. Hein? Tu vois maintenant, l'hôpital qui se fout de la charité. Ton niveau de coureur de jupons est divin, mec. Ok, je peux te poser une question? Je t'en prie. C'est quand la dernière fois que tu étais dans une relation sérieuse? Non, dis-moi. Tout ce que tu fais, c'est de manger et de fuir. Écoute, la mort n'est pas faite pour tout le monde. Ah. Quelqu'un comme toi, j'aime bien tomber amoureux. Mmh. Et ça, c'est pas du tout mal, tu vois. Ouais. Quelqu'un comme moi, j'aime m'amuser et passer à autre chose. Ok, mais comme je le disais avant que tu ne m'interrompes si brusquement, si tu voyais cette meuf... Oh mon Dieu, oh mon Dieu. T'as pris son numéro? Tu ne le croiras pas. Dis-moi. Malheureusement, non. Elle a refusé de me donner son numéro. Je te jure... Ça, c'est difficile à croire. Le tout-puissant Mayo, le grand tombeur du 21e siècle. Hein? Tu dragues une meuf sans prendre son numéro et son nom. C'est difficile mec, à croire. Moi, je me remets mec, écoute, mec. Tu ne peux pas comprendre. Elle a carrément refusé, genre catégoriquement, tu vois. Mais ne t'en fais pas. J'ai remarqué son visage et je la reverrai très bientôt. Vraiment? Je peux te rejoindre? Vas-y. Mais Mayo, tu me fais quand même rire. Non, toi, tu me fais rire. Non, c'est toi. Arrête de travailler gratuitement. Tu ne peux pas courir du jupon, mec. Et tu es le chômeur qui ne produit pas d'argent. Ah, ok. Parce que je vis chez toi. Allez, ne dis pas de bêtises. Maman. Maman, bonne arrivée. Annabelle. Maman. Pourquoi ne décroches-tu pas mes appels? Et où est ta sœur? Maman, assieds-toi d'abord. Que? Ne me dis-tu pas? Maman, honnêtement, je te jure, j'ignore où est Sonia. Elle est partie d'ici depuis hier, elle est allée voir un ami. Elle n'est pas encore d'accord, de retour. D'accord. Quel ami? Quel ami? Quel est son nom? Où est-ce qu'elle vit? Qui est cette personne? Je ne connais pas cette personne, oh. Elle l'a rencontrée sur Internet. Sur Internet? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu me racontes? Annabelle, qu'est-ce que tu me racontes? Que ta sœur est partie de cette maison? Pour aller voir un parfait inconnu, tu ne t'es pas gêné de prendre des informations sur ce dernier. Qu'est-ce que tu racontes? Maman, je suis désolée, je... J'ai désolé, mon œil. Désolé, mon œil. Oh Dieu, mais qu'est-ce que tu racontes? Comment est-ce que tu peux laisser ta jeune sœur? Tu la laisses faire un tour avec un parfait inconnu. Quel genre de grande sœur es-tu? N'es-tu pas censée veiller sur elle? Maman, ce n'est pas ma faute! Ce n'est pas ma faute! Ah, ce
Sonia ne m'écoute pas. Et j'ai appelé tous ses amis et personne n'a de ses nouvelles. Ce n'est pas ma faute. Sonia ne m'écoute pas. Un inconnu. Hey! Sérieusement, Mayo, je pense que tu es très négligent et irresponsable à la fois. Voyons, frangin. Je ne suis qu'un jeune homme qui veut juste, tu vois, vivre sa vie pleinement et rien d'autre, voilà. Et toi, tu vis ta vie pleinement? Oui. En couchant avec des femmes, comme des serpillères? Mais voyons, ce n'est pas juste. Bon, laisse-moi te demander. Celle que tu as ramenée la dernière fois, oui, celle-là. Je ne me souviens plus de son nom. Oui, celle-là. Où est-ce qu'elle est? J'en sais rien. Et je n'en ai rien à foutre. Oh, Seigneur. J'ai ce que je voulais, le reste, je m'en fous. Nom de Dieu. Mais moi, j'ai cru que c'était la bonne. Tu me fais vraiment rire. Écoute, je ne suis pas fait pour l'amour ou pour des relations. Tout ce que je veux faire, comme je te l'ai dit plus tôt, c'est de m'éclater, coucher avec des femmes, m'amuser et tourner la page. Après tout, je leur donne un bon paquet de fric après tout ça, tu vois. Voyons, c'est bien ce qu'elle veut, non? Tu sais ton problème? Je pense que tu as une très mauvaise notion de la femme. Je n'en reviens pas qu'on soit amis, mais comment est-ce qu'on a fait? Écoute, je pense que tu es trop agneux à mon goût. Vraiment? Vraiment. Mais je vais continuer de faire avec, tu vois. Mais t'as pas de choix. Bien sûr que j'ai le choix. C'est faux. Non, c'est faux. Hey, bon. Bon après-midi. Hey, mon grand. Ça va, l'école a été? Ah, à l'école, ça va super. Ce n'est que le stress habituel. Ok. Comment tu vas? Je vais bien. Et alors, t'es pas allé au boulot ce matin? Si. Je suis rentré il y a environ 30 minutes. Mais... t'as un jour de permanence aujourd'hui? Non, mais je suis tellement épuisé que j'avais besoin de me vider un peu la tête. Je pourrais jurer que je t'ai vu dans cette maison hier. Non, pas du tout. Comment peux-tu dire que tu l'as vu hier, hein? Il est là maintenant, je ne comprends pas. Je sais de quoi je parle. Écoute, j'ai vu un classeur hier dans ma chambre, sur mon lit. D'accord? Et avant que j'aille au travail hier, il n'était plus là. Je crois que je l'ai laissé la dernière fois que j'étais là. Ouais, j'ai laissé quelque chose comme ça. D'accord. Alors, dis-moi, comment tu vas? Frère, je vais bien. Je me débrouille comme je peux. J'en ai tellement marre de fréquenter. Hé, voyons, comment peux-tu dire ça, hein? T'as besoin d'études. Mais toutes ces études n'ont vraiment plus aucun sens pour moi. Bien. Qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine? Je meurs de faim. Rien. Rien. As-tu embauché une ménagère ici? Ok, je vais tout de suite me préparer un truc à manger. Bien! Mais entre-temps, je me charge de ça. Allez, dépose ça. Donne-moi. Baba, cherche le tien, ok? Mais c'est méchant! Non, ne le traite pas ainsi. Fais-en pour toi. Ne le traite pas ainsi. C'est méchant, je ne le suis pas. Il vient juste de rentrer de l'école, voyons. Qu'a-t-il fait? Juste aller à l'école. Non. Bosse, je bosse. Toi, non. T'es méchant, mec. Je suis tellement déçu par toi. Tellement déçu. Alors, dis-moi, que faisons-nous? Par où devons-nous commencer à la chercher? Par où? Maman, je ne sais pas. J'étais aussi confuse que toi. Je pense que nous devons aller à la station de police. Je veux dire, ça fait presque 24 heures qu'elle a disparu, donc... Aller voir la police? On ne peut pas aller voir la police. On ignore si elle a disparu ou pas. On ne peut pas présumer qu'elle a disparu. Peut-être qu'elle a éteint son téléphone pour une raison. Qui sait? Cela est impossible. Sonia ne ferait jamais ça. À cause d'un étranger. Jamais. C'est quoi cette histoire? C'est quoi tout ceci? Allô? Oui, c'est moi.
Qu'est-ce que vous dites? Non. Non, 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 non. C'est une blague, n'est-ce pas? Oui, vous n'êtes pas sérieux. D'accord. D'accord. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qui était-ce? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Qui était-ce? Et qu'a dit la personne? Mais dis quelque chose, ton silence me tue. Qu'a dit la personne et pourquoi t'a-t-elle appelée? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman, attends-moi. Non. Sonia! Hey. Sonia! Mon enfant! Sonia! Oh Dieu, qu'est-ce que... Sonia, s'il te plaît, ouvre les yeux, s'il te plaît! Hey. Que lui est-il arrivé? Hey. Que lui est-il arrivé? Hey. Sonia! 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 Ah! Hey, Sonia, s'il te plaît, parle donc, Sonia, s'il te plaît! Hey. Sonia, s'il te plaît, parle! Alors, officier, où en êtes-vous? Avec le cas de ma fille. Madame, j'aimerais vous assurer que les enquêtes sont en cours et nous n'allons pas lâcher. Et je puis vous assurer que les tueurs de votre fille seront arrêtés et feront face à la loi. C'est vraiment à fendre le cœur. Ma sœur unique a été assassinée. Par des visages inconnus. Et son corps, son vie, jeté au bord de la route. J'aimerais retourner sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que votre sœur est partie de la maison le soir du jeudi. Voir quelqu'un qu'elle a rencontré sur Internet. Oui. C'est exactement ce qu'elle m'a dit. Et a-t-elle mentionné le nom de cet inconnu d'Internet? Non. Elle ne l'a jamais fait. Quand était la dernière fois que vous avez parlé à votre sœur? C'était la dernière conversation qu'on a eue. Elle était censée rentrer le lendemain matin, mais elle ne l'a jamais fait. Officier, ma fille a été assassinée dans cette ville. Et son assassin est quelque part dans la nature. S'il vous plaît, ôtez-moi cette douleur dans l'âme. Trouvez ce tueur ou ces tueurs et faites-leur payer pour ce qu'ils m'ont fait. S'il vous plaît. Ok, madame. Rassurez-vous, madame. Nous ne laisserons passer aucune preuve dans cette affaire. Ok.
Nous ferons tout ce qui est humainement parlant pour mettre la main sur le tueur ou les tueurs de votre fille. D'accord? Ils payeront pour leurs crimes. D'accord. Ici, les cas de meurtre ne sont pas pris à la légère. Pas du tout. S'il te plaît. S'il te plaît. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Non, non. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. Non. 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 Hey, Coyote. Non, non, non. Hey, hey. Caillou. Caillou, qu'est-ce qu'il y a? Il a sûrement fait un cauchemar. Je pense qu'il ira bien. Caillou, parle-moi, est-ce que ça va? Je vais bien. Je vais bien. Allez, frangin. Écoute, parle-moi, que se passe-t-il là? Je t'ai dit que je vais bien. Je vais bien. Bah, s'il dit que ça va, qu'il en soit ainsi. Mec, nous devons demeurer sur sa médium. Nous devons aller faire du sport. T'es sûr que ça va? Ouais, ça va. Bien, si tu le dis. Alors on se voit plus tard, ok? Attendez, attendez. Je veux venir avec vous, les gars. Je ne peux pas rester seul dans cette maison. Attends. Tu as peur? Ce que t'as vu dans ce rêve doit être très terrifiant. Ok, écoute. Va te préparer. Vas-y, dépêche-toi, ok? S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Ok? Waouh. Wow. Je me demande ce qu'il a bien pu voir dans ce rêve. Wow. Je ne l'ai jamais vu dans cet état de crainte. Je ne sais pas, je veux dire. Non, il a été si effrayé au point de vouloir venir avec nous. Bah, qu'il vienne donc avec nous. Mais c'est fou, ça. Comment? Comment? Comment ma fille a-t-elle pu faire confiance à un parfait inconnu? Comment? Je ne comprends toujours pas. J'en perds la tête. J'en perds la tête. Comment? Ça m'a encore l'air de rêve. Oh. Que quelqu'un me réveille de ce cauchemar. Que quelqu'un me réveille. Ma sœur ne peut pas partir juste comme ça, juste comme ça. Ma fille a été assassinée. Étranglée. Comme un poulet. Et puis balancée au bord de la route, comme du n'importe quoi. Mon Dieu. Pourquoi les êtres humains sont si méchants? Pourquoi? Pourquoi sont si insensibles? Oh mon Dieu, mon Dieu! Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Hey! Seigneur, c'est beaucoup trop à supporter! C'est trop dur à supporter! C'est trop dur à supporter! Ce n'est pas ce qu'on attendait de la vie! Seigneur, ce mec est tellement amusant. C'est pas croyable. Oh. Sonia. Donc, c'est tout ce que tu fais? Tu t'assois, tu chattes et tu ris aux éclats. En aurait-il une folle? Tis, ce que je fais là actuellement est d'une importance capitale. Même si je t'explique, tu ne vas rien comprendre. Sonia. Sonia. Quoi? C'est pas pour ça que tu es là.
Honnêtement, tu es beaucoup trop distraite par ce truc d'Internet. Tu es bien trop distraite. Tu dois vraiment te passer de tout ça et te concentrer sur tes études. Zoret, s'il te plaît, ne cache pas l'ambiance. Hein? Je suis en train de m'éclater. Zoret, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Tu t'éclates. Je m'amuse. Je savais que c'est ce que t'allais dire. Mais regarde ça, Sonia. Non, regarde très bien. Tu n'en es qu'à ta deuxième année. Deuxième année, oh. Et tes résultats sont déjà aussi mauvais. Stop. Je n'ai pas eu de mauvaises notes. Ok? Mes résultats ne sont pas mauvais. C'est quoi ton problème? Écoute, ce soir, je n'ai pas assez d'énergie pour écouter ta prédication habituelle. Je suis à l'université, mais j'ai aussi le droit de m'amuser. Je n'ai plus le droit de m'amuser. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, personne ne t'empêche de t'amuser. Mais tu dois te concentrer sur la raison principale pour laquelle tu es ici, qui est celle de tes études. Oui. Serait, tu sais quoi? Tu as gagné. Je te laisse la pièce toute entière. Ah, il m'a encore envoyé un autre message. Sonia, mais qu'est-ce qui t'arrive? Faut que j'aille répondre. Pourquoi es-tu ainsi? Pourquoi es-tu ainsi? Tu es enflée d'orgueil. Tu penses tout savoir. Tu n'acceptes pas les reproches. Tu n'écoutes personne. Qu'est-ce qui te prend? Je te demande de te focaliser sur tes études et tu me tournes le dos. Sonia, je te parle. Tu ne me tournes pas le dos. Mais qu'est-ce qui arrive à cette fille? Hein? Je m'en vais, maman. Où ça? Pourquoi? Je ne sais pas. N'importe où. J'ai juste besoin de prendre du recul. Tu veux partir aussi? Ta sœur est partie. Tu veux me laisser, toi aussi. Je suis désolée. Je ne peux pas rester là. Kayode, c'est quoi le problème? En fait, que se passe-t-il? Tu es étrange depuis la matinée. Qu'est-ce qui te tracasse? Je vais bien, ça va. Je vais bien. Ne me raconte pas des histoires. Tu ne vas pas bien. Tu n'as absolument pas l'air d'aller bien. Mayoa, s'il te plaît, ne t'inquiète surtout pas pour moi. S'il y avait un souci, je t'en aurais parlé. Mais pour l'instant, tout va bien. Non, tu ne vas pas bien, tu as un problème. Le truc, c'est que tu refuses juste de me dire quel est le problème. En fait, dis-moi comment voudrais-tu que je sois à l'aise, sachant très bien qu'il y a quelque chose qui te préoccupe et qu'il n'y a rien que je ne puisse faire. Kayode, regarde-moi. Frérot, crois-moi quand je te dis que tout va bien. Crois-moi. Je ne suis pas un gamin. Je suis ton grand frère, et pas le contraire. Donc ne t'avise pas à croire que tu peux me tromper. Dis-moi, es-tu profondément endetté ou quoi? Es-tu en danger et es-tu dans un sale pétrin? Ou alors peut-être que tu auras enceinte... Mayo, je t'en prie. Allez, arrête. Bah si ça ne te dérange pas à ce stade, j'aimerais bien être seul. Je t'en prie. Ah ouais? Je veux rester seul, s'il te plaît. Je t'en prie. J'ai bah juste envie de rester seul. S'il te plaît. Ok.
Dieu. C'est quoi cette histoire? De passe incorrecte. Mot de passe incorrect encore. Mais quel est son mot de passe? Si j'arrivais à trouver son mot de passe, au moins je pourrais trouver une piste. Je ne sais pas. Aïe. Mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi cette histoire? Je ne connais pas son mot de passe. Mon Dieu. Que devrais-je essayer? Que devrais-je essayer? Que devrais-je essayer? Merci. Ça te plaît, n'est-ce pas? Oh. Ok. On se reparle plus tard. Oui. Épuisé. Merci. Salut. Hey. Je te rappelle plus tard. Bienvenue, Annabelle. Merci. Comment était la journée? Oh. Épuisante, mais pas mal. Les cours étaient superbes. Et toi? Assise, chatter, rire aux éclats, comme d'habitude. Pas de cours aujourd'hui? Si, j'en ai un dans la journée. Pourquoi t'es si joyeuse? Allez, raconte. Zorette, tu ne vas pas y croire. J'ai rencontré un mec super canon sur Instagram. Et ce mec est plein. Oh, ferme-la, Sonia. Ferme-la. Tu perds la tête ou quoi? Non, est-ce la raison pour laquelle maman paye cher pour que tu sois dans cette université? Pourquoi tu perds ton temps à courir après des hommes sur Internet? S'il te plaît, Annabelle, arrête! Tu commences à me saouler avec tes airs de Saint-Titouche. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est ma vie. Laisse-moi la vivre comme je l'entends. Vraiment? Oui. Et vendre ton corps à des milliers d'hommes? De ravi, c'est ça? Mais que gagnes-tu en couchant avec tes différents hommes à cet âge? Sonia, n'as-tu pas honte? Oui, je n'éprouve aucune honte. C'est ma vie. Je suis adulte et donc je peux la mener comme bon me semble. Ah, tu me saoules, tu enquêtes sur mon espace, laisse-moi respirer. Ok, je suis désolée d'avoir levé le ton. Ok? Sonia, écoute, je suis ta sœur. Et je suis la seule qui te dira lorsque tu as tort. Tu agis mal et c'est pas bien. Souviens-toi d'où on vient. Et nous ne pouvons rien faire qui pourrait salir le nom et l'image que nous avons. En y réfléchissant, Sonia, qu'est-ce qu'il y a que maman ne nous donne pas? Juste regarde cet appartement. Laquelle de tes camarades de classe pourrait se permettre cet appartement? Combien? Annabelle! Pourtant, tu n'es pas satisfaite! Tu cours après différents hommes de gauche à droite! Instagram, WhatsApp, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux exactement? Je te pose la question. Qu'est-ce que tu attends exactement de moi? Pourquoi passes-tu ton temps à fouiller mon intimité? Laisse-moi vivre ma vie! Colle-moi la paix! Annabelle, colle-moi la paix! Sature mon espace, s'il te plaît. Sonia, on dit qu'à bon entendeur, salut. Il n'est pas tard pour changer de voix. Il n'est pas tard pour faire machine arrière. C'est tout ce que j'ai à te dire. Madame l'intellectuelle, c'est ma vie. Et je n'en ai rien à foutre de ce que toi ou quelqu'un d'autre pourrait penser. Laisse-moi la vivre comme bon me semble. Ah! S'il te plaît.
plein en face. Sonia, tu as vraiment de la chance. Ah, regarde-moi la photo. Si seulement Sonia m'avait écoutée. Si seulement elle avait écouté la voix de la raison. Hein? Si seulement elle avait arrêté. Cette vie avait changé de voix. Non. Elle voulait qu'on lui fiche la paix. Elle ne voulait pas qu'on s'en mêle. Elle ne voulait pas qu'on s'en mêle. Maintenant, voyons. Tout ce qui l'intéressait était le matériel. Elle n'était jamais satisfaite par quoi que ce soit. Elle n'était pas satisfaite de ce qu'elle avait. Salut, Serette. Salut. Le sort. Et où est-ce que tu vas? Eh bien, je vais à la rencontre d'un mec qui est plein aux as. Oh. Sonia. N'as-tu pas peur? Avec tout ce qui se passe dans cette ville, des cas de rituels, des kidnappings, pourtant toi, tu t'habilles. Et tu me dis que tu vas voir quelqu'un que tu as rencontré sur Internet. Quand sais-tu à son sujet? Que vas-tu dire par là? Hein? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Sonia, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi n'aimes-tu pas m'écouter? Pourquoi n'écoutes-tu personne? Pourquoi ne te concentres-tu pas sur ce qui t'a amené dans cette école au départ? Tu sais ce qui me déplaît chez toi, Serette? Tu es très autoritaire et tu voudrais que tout le monde ait le même style de vie que toi. Et c'est impossible. Parce que je ne vais jamais épouser le même style de vie que toi. Ça, jamais. C'est quoi ton problème? Laisse-moi m'épanouir. Hein? Vraiment? Oui. Sonia. Je suis ta sœur. Et je ne cesserai. Je ne cesserai jamais de te dire la vérité. Que tu le veuilles ou pas, je te le dirai en face. C'est bon, je peux y aller? Oui. Et s'il te plaît, pour ton information, je ne veux plus que tu me saoules avec ta prédication habituelle. Je suis une adulte. Je peux très bien prendre soin de moi et m'occuper de mes affaires, ok? Et en plus, je m'en sors plutôt très bien. Alors s'il te plaît, Serette, ne t'en mêle pas. Ne t'en mêle pas. Faut que j'y aille, je risque d'être en retard. Bye! Serette? Allô, Serette? Je suis rentrée. Je suis rentrée et tout entière. Serette, tu vois, personne ne m'a égorgée. Personne ne m'a kidnappée. Et la cerise sur le gâteau, c'est que je suis rentrée avec beaucoup d'argent dans mon sac. Oh, je suis tellement contente, Serette. Ah! Tu sais, il y a un proverbe qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et c'est ce chemin que tu empruntes. Annabelle, ne gâche pas l'ambiance. Tu devrais plutôt être joyeuse pour ta sœur. Je te dis que j'ai eu beaucoup d'argent. Le mec que je suis allée rencontrer. Oh, ferme! Ferme-la, Sonia, ferme-la! Qu'est-ce qui te manque? De quoi as-tu besoin que maman ne t'a pas donné? Notre mère est également riche. Tu le sais, n'est-ce pas? Je sais, mais je veux mon propre argent. Mon propre argent en appel et non pas l'argent de maman. Sais-tu que, petit à petit, tu te transformes en une prostituée. Et une prostituée très agaçante, de surcroît. Comment oses-tu me traiter de prostituée, Annabelle? Comment oses-tu? Tu n'en es pas une? Non? Essaye de démentir ce que je suis en train de dire. Ce que tu fais et ce qu'elles font,
Quelle est la différence? Écoute, Annabella, je ne compte pas rester là. Écoutez comment tu m'insultes, ok? Arrête! Occupe-toi de tes affaires et laisse-moi gérer les miennes. Ne t'occupe plus de mes affaires, Annabelle. Sinon, tu vas le regretter. Ne t'en mêle plus. N'importe quoi. Tu ne peux jamais te réjouir pour ta sœur. Oh, mon Dieu. Ma sœur se dirige tout droit dans sa propre tombe. Ma sœur ne peut pas mourir en vain. Ma sœur ne peut pas mourir en vain. Elle est têtue. Elle est idiote. Elle a fait toutes sortes de choses, mais ce n'est pas une raison pour qu'elle meure. Personne n'avait le droit de lui ôter la vie. Hey. La mort. Pourquoi? Pourquoi? J'ai besoin des réponses. Pourquoi? Qu'ai-je fait? Pourquoi as-tu enlevé ma Sonia? Pourquoi? Ça, c'est vraiment d'autre. Ceci est d'autre. Sonia était une fille adorable. C'était une gentille fille. Et elle ne méritait pas de mourir comme ça. Écoute, l'université, écoute-moi bien, est un nouveau monde. Tout un nouveau monde. Et dans ce nouveau monde, il se passe plein de choses. Oui, maman. Et je suis contente de franchir cette nouvelle étape. J'ai hâte de faire cette expérience. Je suis également contente. Je suis contente. Merci, maman. C'est juste que j'aimerais que tu saches que dans ce tout autre monde, les gens se perdent facilement. Et c'est aussi facile pour eux d'oublier la raison pour laquelle ils sont là. Maman, tu sais, je suis très contente que tu lui dises tout ça. Parce qu'elle est surexcitée par le fait d'entrer à l'université et je ne sais pas pourquoi. Elle doit l'être. Je veux dire, ce n'est pas facile. Je voulais juste lui faire comprendre que l'université est un monde totalement différent. Oui. Eh bien, ne t'en fais pas, ok? Tu seras fière de moi. Maman, tu sais que je suis une bonne fille, non? Et écoute, je te promets de réussir aux examens avec de très bonnes notes, maman. C'est ce que j'entends de toi. Merci, maman. Ça, c'est ma fille qui parle. Et crois-moi, je n'ai pas peur que tu t'en ailles. Pas du tout. Après tout, ta sœur y est déjà. Et je suis certaine qu'elle s'occupera bien de toi. Bien sûr, maman, je veillerai sur elle. Mais elle doit me promettre qu'elle ne sera pas têtue. Aucun problème. Maman, je n'aime pas la façon dont vous parlez comme si j'étais encore un bébé. Je suis déjà adulte. Hein? Oui, c'est vrai, je suis... Tu es le bébé de cette maison. Tu es mon bébé. Et tu resteras toujours, en fait, à jamais, mon bébé. Merci maman, beaucoup, maman. Fort. Oh, moi, c'est le mot fier. Oui, je te le promets. Je t'aime. Ah, Annabelle, félicitations. Lâche-moi. Fille de la fac. C'est de ta faute, Annabelle. Tout ça est de ta faute. Tu n'étais jamais occupée de ta sœur. Je l'ai laissée sous ta responsabilité. Et tu l'as laissée. Tu l'as laissée dans ses voies. Tu l'as laissée n'en faire qu'à sa tête.
À présent, elle est morte. Et elle a été abandonnée au bord de la rue comme une ordure. Tout ceci est de ta faute. Sonia, je te promets. Je te promets de trouver ton assassin ou tes assassins. Peu importe le temps qu'il faudra, je vengerai ta mort. Le téléphone a été retrouvé sur la scène de crime. Ok. Et qu'en est-il de sa carte de crédit? Parce que je lui ai donné ma carte le jour où elle a quitté la maison. Nous n'avons rien trouvé sur son corps, ni sur la scène de crime. Monsieur, s'il vous plaît, je vous en prie. Faites n'importe quoi. N'importe quoi pour nous aider. Le tueur ou les tueurs de ma sœur unie ne doivent pas être laissés en liberté, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-nous. Écoutez, mes hommes font tout ce qui est humainement possible pour retrouver les auteurs de ce meurtre et se rassurer que justice soit rendue. Ok. Avez-vous besoin de quelque chose? N'importe quoi qui pourrait aider dans vos enquêtes pour qu'elles soient rapides. Nous avons déjà eu votre déposition. Nous avons déjà déposé les documents nécessaires pour ce cas. Nous attendons la signature du juge et les fournisseurs de connexion. Nous approvisionnerons en connexion et l'an pourra débuter. C'est bon. Vous avez besoin de vous ressaisir. Pourquoi okay. Cela nous arrive-t-il? Pourquoi cela nous arrive-t-il? Croyez-moi, on ne va pas baisser les bras. Nous ne baisserons pas les bras jusqu'à ce que cette affaire soit résolue. Je peux vous assurer que nous allons penser ces gens. Et nous assurer qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait. S'il vous plaît. C'est de ta faute. Tout cela est de ta faute. C'est de ta faute si elle est morte. Je veux dire, elle est morte à cause de toi. Maman, ce n'est pas de ma faute. Pourquoi m'en tiens-tu rigueur? Pourquoi? Je l'ai laissée avec toi. Je l'ai laissée sous ta charge. Et tu l'as abandonnée. Tu n'as pas pris soin d'elle. Maman. Tu l'as laissée pavaner. Tu l'as laissée faire tout ce qu'elle voulait. Maintenant, elle est morte. Maman, ce n'est pas... À qui la faute? Maman, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Dieu sait que j'ai pris soin de Sonia. Je l'aimais. Je l'ai conseillée. J'ai fait de mon mieux pour Sonia. J'ai fait tout ce qu'une grande sœur aurait fait. J'ai tout fait, maman. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait du tout. Parce
que si c'était le cas, elle serait ici avec nous. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Je l'avais prévenu. Je l'avais prévenu, maman. Je l'avais prévenu. Tu dois parler à Sonia. Tu dois lui faire comprendre l'importance de prendre au sérieux ses études. Maman ne l'écoute pas. Je prends mes études au sérieux. Bien sûr, tu sais que c'est pas le cas. Arrête de mentir. Tu es bien trop distraite par Internet. Tu passes tout ton temps sur les réseaux sociaux. Et tu sais bien que cela affecte tes études. Maman n'écoute pas ce qu'elle dit. Elle le dit parce qu'elle voudrait que je devienne introvertie comme elle. Écoute, je respecte le fait que tu n'aimes pas sympathiser avec les autres. Mais attention, moi je suis différente et je ne compte pas te ressembler. Et c'est la vérité. Annabelle, tu sais que ta sœur est bien différente et elle ne peut pas être aussi conservatrice comme toi. Maman, tu ne comprends pas. Cette fille n'est plus la Sonia que tu connaissais. Elle a changé totalement, elle est devenue sauvage. Maman, ne le vois-tu pas? Ce sont des mensonges. Elle te le dit parce qu'elle est fâchée. Elle me traite comme si j'étais une gamine. Oh, écoute. Je sais que tu aimes ta sœur et que tu te préoccupes d'elle. Mais je pense que tu devrais baisser ton ton. Je veux dire, traite-la avec douceur et traite-la gentiment, d'accord? Oh, c'est d'accord, ça marche, maman. Mais je sais de quoi je parle. Maman a demandé que tu baisses le ton. Baisse le ton. Mais maman, c'est comme ça qu'on s'habille maintenant. Je te l'avais dit. Je t'ai prévenue sur le changement du comportement de Sonia. Je t'avais dit qu'elle ne prenait pas ses études au sérieux. Mais qu'as-tu fait, maman? Tu l'as défendue comme toujours. Maintenant, tu oses me jeter la faute. Maman, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Mon bébé me manque. Mon bébé me manque tellement. Je la veux avec moi ici. Je la veux avec moi ici. Elle me manque horriblement. Mon bébé me manque. Elle me manque aussi. Elle était ma sœur unique. Elle me manque. C'est trop dur pour moi aussi. Si seulement elle écoutait. Si seulement elle m'écoutait. Si seulement elle m'avait écouté. Bon, maman, je compte commencer par étudier le droit. Pour après devenir l'une des plus grandes femmes avocates de ce pays. Je n'en doute pas. Et puis après... Maman, attends, j'ai pas fini. Et puis après, je vais épouser un homme qui sera le président de ce pays. Oui. Pour qu'après, je devienne la première dame. Oh, waouh. Quel grand rêve. Merci, maman. Mais, très possible. Oui. Tu sais, tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu peux l'avoir. J'espère que tu le sais, ça. Oui, maman, bien sûr. Ah, maman. Quand je vais enfin devenir la première dame, et cela fera automatiquement de toi la mère de la première dame et la belle-mère du président. Je peux le voir. C'est trop mignon. Merci, maman. Mais pourquoi ne pas voir la situation inversée? Je veux dire, au lieu d'aspirer devenir première dame, pourquoi n'aspires-tu pas devenir la présidente? Président, maman? Mais aucune femme n'est encore devenue président dans ce pays. Alors, toi, tu deviendras la première femme présidente de cette nation. Qu'en penses-tu? Waouh! Bien sûr que si. Maman, ce sera super. Maman, tu as totalement raison. Est-ce que tu sais qu'avant, ça ne m'a jamais traversé l'esprit? Je sais. Waouh! Donc, comme ça, c'est possible que je devienne la première femme présidente de ce pays.
Waouh. Et si jamais ça arrive, maman, tu sais comment on va s'adresser à moi? Son Excellence, maman. Non, je change ça, c'est trop simple. Madame la Présidente, maman. Oui, tout à fait. Non, maman, finalement, je vais encore changer. Je dis Madame la Présidente, n'est-ce pas? Oui. Madame la Présidente, maman. C'est ça. Pendant ce temps, je vais marcher avec le torse bombé, maman. C'est moi. Maman, j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Je sais. Mon bébé avait des rêves. Elle avait des projets pour sa vie. Alors, pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi? Pourquoi ceci m'est-il arrivé? Qu'ai-je fait? Je l'ignore, maman. Je n'ai pas de réponse à tes questions. Mais j'aimerais t'assurer que je trouverai la cause de ce problème. Je trouverai le tueur de Sonia et je les ferai payer. Que d'autre pouvons-nous faire? La police a su cette affaire. Et jusqu'ici, il n'y a rien à signaler. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Mais je te promets, maman. Avec ou sans l'aide de la police, je trouverai ces assassins et je les ferai souffrir, même si cela doit me coûter la vie, je les combattrai. Ne répète plus, Annabelle. Est-ce que c'est compris? N'ose plus redire cela. Ne mentionne plus la mort. À nouveau. Est-ce que c'est clair? D'accord. Okay. A été assassinée et son corps balancé au bord de la rue. Et jusqu'à présent, on ignore le coupable. Rien qu'à y penser, je suis horrifié. Comment les hommes peuvent être aussi méchants? Voyons, quel genre de démon pourrait posséder un homme au point de le pousser à ôter la vie à son prochain? On est retourné voir la police. Mais les enquêtes ne mènent nulle part. Ma mère est dévastée. Oh. Je suis vraiment désolé pour tout ça. Tu sais, toutes mes condoléances, je crois que les commanditaires seront bientôt arrêtés et seront traités comme il se doit. Je l'espère. Je l'espère vraiment parce que je perds la tête. Je perds la tête et c'est de même pour ma mère. Désolé. Ce monde est vraiment rempli de mystères. Courage, tout ira bien. Ok? Allez, viens là. Viens là, ne pleure plus. Arrête de pleurer, les enquêtes vont avancer. Ok? Rassure-toi, on retrouvera ces assassins. Oui. Je l'espère bien. Oui. Sois forte. Je l'espère, Dieu. Sois forte, sois forte. Hey, frangin.
Bienvenue. Merci, Code 9. Bah, je qu'est-ce vais que tu fais? Encore sur le projet de jeune meuf, je suppose. Ah non. Eh bien, j'ai cru que tu avais un entretien aujourd'hui. Que se passait là? Ah, la compagnie m'a appelé ce matin pour reporter l'entretien à la semaine prochaine. Donc j'étais là toute la journée. Ok, au moins ils ont appelé. Devine quoi? Quoi? Ce qui s'est passé aujourd'hui. De quoi est-ce que tu parles? J'ai eu le nom et j'ai eu le numéro. Mais de quoi est-ce que tu parles exactement? Peux-tu me dire exactement de quel numéro, de quel nom est-ce que tu parles? T'es une vraie tête de mule, toi! Seigneur! La meuf dont je t'ai parlé la semaine dernière, celle qui a catégoriquement refusé de me donner ces informations. Comment m'en serais-je rappelé, mec? Mais putain, tu les as en nombre, mec! Donc, ne m'en veux pas si je ne me souviens pas de toutes tes escapades, mec. Peu importe. Bref, je l'ai revue aujourd'hui. J'ai eu son nom, j'ai eu son numéro, et bien plus encore. Qu'est-ce que t'amuse? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te dis que j'ai vu la meuf dont je t'ai parlé. Tu vois, celle qui a refusé de me donner son numéro. Tu te souviens, la meuf dont je t'ai dit qu'elle a refusé de me donner son numéro? Ok. Oui, du coup, je l'ai vue. Elle m'a donné son nom, son numéro, et plus encore. Ok. Oui, mais... Elle a le cœur brisé. Ah. Une rupture récente, j'imagine. Non, pas du tout, loin de ça. C'est bien pire que ça. En fait, sa sœur est décédée il y a de cela quelques jours. Oh mon Dieu! Oui, son corps a été déposé au bord d'une route. Mais... Là, clairement, elle a été assassinée par quelqu'un. Oh Seigneur! Oh mon Dieu! C'est très triste, mec. Je peux imaginer ce qu'elle traverse en ce moment. En fait, tu sais, elle a beaucoup de peine à se remettre. Elle m'a dit que sa mère souffre énormément et qu'elle perd la tête. Oh Seigneur! Évidemment, tu vois. La pauvre! Qui ne le ferait pas? Je veux dire, l'enfant de Tru a été assassiné de sang-froid. Qui n'en deviendra pas fou. Je suis vraiment désolé pour elle. C'est une situation très triste, tu sais. En tout cas, comment quelqu'un pourrait-il tuer son prochain? C'est au-delà de mon entendement. C'est vraiment très évident que cette affaire est stagnante. Ça fait 2 semaines. 2 semaines. Il n'y a aucun progrès. Aucune preuve du tout. Officier, que se passe-t-il? Faites-nous comprendre. Essayez-vous de nous dire que les assassins de ma sœur resteront impunis? Non, pas du tout. Nous menons encore nos enquêtes. Et j'aimerais vous assurer que... Oh, pitié, c'est pas la peine. Je l'ai entendu maintes fois et je n'ai rien tiré de tout ça. Rien. Pourquoi la justice est-elle si rare dans ce coin du monde? Comment une jeune fille peut-elle mourir et personne ne fait rien pour attraper les tueurs? Ce n'est pas le cas. Nous faisons tout conformément à la loi pour que règne la justice. Je me réintéresserai, mon enfant. J'aimerais que vous relâchiez mon enfant pour que je puisse lui accorder au moins le repos afin qu'elle aille en paix. La paix que vous êtes incapable de lui donner. Rendez-moi ma fille. Je suis navré, mais cela est impossible à ce stade. Pas avant d'avoir clôturé l'enquête. Et d'ailleurs, l'autopsie n'est pas encore terminée. Tu entends ça? Maman, calme-toi. As-tu entendu ce qu'il a dit? Je l'ai entendu, maman. Vous êtes incapable de trouver les assassins de ma fille. Et pourtant, vous refusez de me la rendre. Rendez-moi ma fille. Pour que je lui donne la paix. Calme-toi. Je me réintéresserai, ma fille. Parce que vous êtes incapable d'attraper ses meurtriers ou son meurtrier. Rendez-moi son corps. Je veux l'enterrer moi-même. Je veux enterrer mon enfant. Maman, c'est bon. Je ne partirai pas d'ici sans mon enfant. C'est bon, maman. Cela n'arrivera pas. Je veux mon enfant.
Ça va. Tu me manques. Tu me manques tellement, ma chère petite sœur. Si seulement j'étais là pour te sauver. J'aurais aimé que les choses se passent autrement. J'aurais aimé ne pas te décevoir. Que ma mère tourne la page. La douleur est si forte. Mais être un enfant de cette façon est une expérience qu'une mère ou aucun autre parent ne devrait vivre. Je sais. Oui, je sais, tu vois. La justice de ce pays est un véritable désastre. Tu vois, un mois déjà. Et ils sont incapables de trouver la moindre preuve qui permettrait enfin de conclure cette affaire de meurtre. La police. On ne croit plus à la police. Je te comprends. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il relâche le corps de ma sœur afin de l'enterrer pour que ma mère fasse son deuil. Pour que ta mère fasse son deuil. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? Ne veux-tu pas le faire aussi? Je pense que tu as plus besoin de ça que ta mère. Si je dois le dire ainsi, tu endures beaucoup aussi. Jusqu'à ce que les assassins de ma sœur aillent en enfer. Il n'y aura pas de deuil pour moi. Ma puce. Écoute, tu dois le prendre calmement. Ton téléphone sonne. Oui. C'est l'officier de police. Ah, d'accord. Vas-y, reprends. Ah. Bonjour, monsieur. Ok. J'arrive tout de suite. Oui. Merci beaucoup, monsieur. J'arrive tout de suite. Chérie, que se passe-t-il? Je ne sais pas. Il m'a demandé de venir à la station de police. Qu'est-ce s'il que... te plaît, oui, tu peux m'accompagner oui. là-bas? D'accord. Thank you.
Un instant. Salut. Salut, ma belle. Salut, bébé. Comment tu vas? Je vais bien. Bonne arrivée. Merci. Bienvenue chez moi. J'ignorais que t'allais me trouver. C'était pas aussi difficile que ça. Alors, dis-moi, tu tiens le coup? Je suis là. Que puis-je t'offrir? Rien. Ça va, j'ai pris quelque chose en voiture. T'es sûr? Ouais. Bien. Je suis venu passer du temps avec toi, car je sais à quel point les choses sont difficiles pour toi ces derniers temps. Et tu as besoin de compagnie en ce moment. Oui, tu en as vraiment besoin. Merci. C'est très gentil de ta part. Ça me va droit au cœur. Je t'en prie, ce n'est rien. Alors, tu nous vois avec les enquêtes? Rien pour le moment. Aucun indice. Aucune piste. La police n'a pu trouver ne serait-ce qu'une simple piste. Ce n'est pas juste. Voyons, comment est-ce que l'on est censé se remettre dans ce genre de situation? Je ne sais pas. C'est si difficile pour nous, surtout pour ma mère. Tout ce qu'elle veut, c'est d'enterrer sa fille et tourner la page. Mais ils ont refusé de relâcher son corps. Ils ont dit que c'est après les investigations qu'ils pourront nous rendre son corps. Oh mon Dieu. J'imagine ce que peut bien traverser la pauvre femme. La pauvre. Je veux dire que perdre un enfant de cette façon serait une expérience traumatisante pour n'importe qui. Bébé, viens là. Viens là. Viens. Viens. Ça suffit. Ça suffit. D'accord? Ça suffit. S'il te plaît, tu as assez pleuré. Tu as beaucoup pleuré, ça suffit comme ça. Comment pourrais-je m'arrêter? Il s'agit là de ma sœur unique. Je sais, mais ce n'est pas de ta faute si elle est morte. C'est de ma faute. Je n'ai pas su la protéger. Tu sais, ma mère avait raison. Ce n'est pas de ta faute, donc tu ne peux pas t'en vouloir à jamais. Écoute, c'était une adulte. Elle était bien consciente des actes qu'elle posait. Mais je suis sa sœur aînée. J'ai échoué. Je l'ai déçue. J'ai déçu ma mère. Voyons. J'ai déçu tout le monde. Voyons, tu n'as déçu personne. Ok, écoute. Peut-être que nous devrions aller faire un tour. Tu sais, une bouffée d'air pourrait aider. Je ne veux aller nulle part. Je veux juste rester là. Mm-mm. Regarde autour de toi. Il n'y a que des souvenirs d'elle. Le fait de rester ici ne fera que te rappeler ta sœur. Alors, s'il te plaît, sortons d'ici et allons prendre un peu d'air, ok? Je ne veux pas y aller. Arrête de pleurer. Le fait de voir ainsi me brise le cœur. S'il te plaît, arrête de pleurer. Qu'est-ce qu'il y a, mais... Que se passe-t-il? Depuis que t'es rentré, t'es assis là, avec cette mine. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Non, s'il te plaît, ne me dis pas rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais que tu peux tout me dire. Je te connais comme quelqu'un de toujours joyeux. Mais là, t'es l'ombre de toi-même, mec.
C'est Annabelle. Cette fille, hein? Je n'arrive pas à y croire. D'elle à faire cette tête, juste à cause d'une meuf. De même, tu ne comprends pas. Ah. Tu ne me croiras pas, mais cette fille a touché quelque chose à moi. Vraiment? Oui, vraiment. Et je déteste. Je déteste la voir triste. Attends. Actuellement, t'es sérieux, là? Bien sûr. Mayua, toi, amoureux d'une meuf? Oh non, ça, ce n'est pas possible. Oui. Je suis amoureux d'elle. Non, ce n'est pas drôle, je suis très sérieux, là. Vraiment, arrête. Arrête. Écoute, je suis amoureux d'Annabelle. Et c'est bien réel. Et c'est carrément... C'est carrément impossible pour moi de la sortir de ma tête. Ha! En fait, la fin du monde est proche, hein? Toi, que je connais, tu n'es pas et ne peux pas. En fait, tu n'as pas la capacité à aimer qui que ce soit, mec. Non! En fait, tu sais, tu dois arrêter de vivre dans cette notion de connaître qui je suis. Arrête. J'aime cette fille. Oh. Je l'aime. Sincèrement. Tu vois? Elle est dans toutes mes pensées. Quand je suis avec elle, je me sens accompli. Et quand je suis pas avec elle, tu vois, j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi. Quand je regarde tes yeux là, je sais pourquoi tu raisonnes ainsi. Tu ne l'as pas encore mis dans ton lit. Une fois que tu l'auras mis dans ton lit, tu changeras d'avis, mec. Tu vois, c'est la raison pour laquelle je dis que tu ne me connais pas. Je suis sérieusement, très sérieusement, amoureux d'Annabelle. Et à y réfléchir, à paraître sexuellement attirante, elle est gentille et intelligente. Et je n'ai même pas envie de coucher avec elle. Du moins, en fait, ça ne me traverse même pas l'esprit. Je suis amoureux d'elle et coucher avec elle, c'est la dernière chose qui me vient à l'esprit. Waouh! Elle est celle qu'il me faut et j'ai besoin d'elle dans ma vie. Waouh! Genre, impressionnant! Bon, si t'es sûr de ce que tu ressens pour elle, alors tu devrais te réjouir. Je suis content pour toi, mec. Tu ne devrais pas faire cette tête. Je suis certain. C'est pas que je suis triste, c'est juste que je... Écoute, comme je l'ai déjà dit, c'est que je déteste. Je déteste la voir ainsi, ça me dérange de ne pouvoir rien faire pour lui. Je sais, je t'apporte un truc fort, hein. T'as besoin de te détendre, mec. Mayo White, amoureux! Waouh! Alors, il n'y a eu aucun progrès du tout. Malheureusement, je ne vous apporte pas de bonnes nouvelles. Bien que l'autopsie a été conclue, votre sœur est morte d'une expérience traumatisante. Nous voulons ces meurtriers en tôle, et non ce que dit l'autopsie. C'est d'accord, mais nous devons avoir des preuves qui nous mèneront à ces derniers. Ce que, pour l'instant, nous n'avons pas. Pensez-vous qu'on aura des résultats positifs? Je dois vous dire, jeune femme, que dans son répertoire d'appels, nous n'avons vu aucune conversation avec un étranger ce jour-là. C'est clair qu'elle tchattait avec cet inconnu. Via Facebook ou Instagram, oh mon Dieu. C'est là que nous rencontrions un gros défi. Parce que le processus de vérification de toutes ces conversations n'est pas du tout facile. Et vous savez que cette compagnie réside en Amérique. Mais nous faisons du mieux que nous pouvons. À
Alors, pouvons-nous avoir ces restes pour l'enterrement? Oui, d'accord. On va rendre le corps à sa famille pour l'enterrement. Merci. Récupérer son corps pour l'enterrement. Non. Non. Seigneur, nous prions. Alors, comme ça, c'est vraiment vrai. Mon bébé ne me reviendra plus jamais. Maman, je suis désolée. Je suis désolée, je n'ai rien pu faire pour la sauver. Oh, maman, je suis désolée. Mon bébé, maman. Non, non, mon bébé. Maman, je suis désolée. Mon bébé. Mon Dieu. Mon Dieu. Comment tu as levé mon bébé? Tu vas, mec? Je vais bien, je suis sur le point de sortir. C'est ce que je vois. Je te présente Dubem, mon frère, mon ami. Oh, Dubem, salut. Annabelle, ma meuf. Oh, Annabelle, elle est mignonne. Merci. Bienvenue chez nous. Merci, il m'a tellement parlé de toi. Vraiment? Uniquement en bien. Oui, que de bonne chance. Oui, je suis un mec bien. Comme tu le sais déjà, je m'appelle Dubem, c'est ici qu'on vit. On se voit demain, car je dois sortir et je ne rentrerai pas ce soir. Le mec bien ne rentre pas ce soir. Ok, sois prudent. Ok. Merci. Alors bien, bienvenue chez moi. Oui. Finalement, t'as accepté de venir. J'aime bien, c'est pas mal. Merci, merci. Je peux m'asseoir? Bien sûr, fais comme chez toi. Merci. Je suis si heureux que tu sois là. Pardonne-moi, s'il te plaît, si j'agis de la sorte, d'accord? Okay. Je suis simplement content que tu sois là et je ne sais pas si tu aimerais boire ou danser. C'est bon. Ouais. J'aimerais pas que tu t'en ailles. Je ne m'en irai pas, promis. Ouais, t'en es sûre? Certaine. Parfait, merci.
Allô, maman? Mon bébé, comment tu vas? Maman, il est 3 heures du matin. Que fais-tu éveillée? Je sais. Je ne trouve pas le sommeil. C'est un luxe que je ne peux pas me permettre à ces jours. Maman, s'il te plaît, tu dois vraiment t'habituer au fait que Sonia ne reviendra plus jamais. Hein? Ce n'est pas aussi facile. C'était mon bébé et... Maman, as-tu oublié que c'était ma sœur, mon unique sœur? S'il te plaît, je t'en supplie pour l'amour de Dieu. Tu dois dormir. Essaye de te vider la tête, ok? Je ne peux juste pas. Penser à elle me maintient éveillée. Maman, s'il te plaît, essaye de... Sonia, s'il te plaît, lâche-moi. Ah, ah. Où vas-tu aussi sexy? Est-ce que je suis sexy, n'est-ce pas? Sœurette, s'il te plaît, j'ai besoin d'un peu d'argent. Je dois prendre un taxi. Je suis en train d'aller quelque part. Tu vas quelque part et tu n'as pas d'argent. Pas que j'ai pas d'argent, mais... Ah, je sais, mais je n'ai pas de cash. Mais je peux te donner ma carte de crédit. Retire 10 000 naira. Prends 4 000 et ramène-moi ma monnaie, 6 000 naira. Je t'aime, sœurette. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'amour qui tienne. Ramène-moi simplement mon argent et ma carte de crédit. Pas de souci, merci. Merci, mais je ne vais pas rentrer ce soir. Pourquoi? Où est-ce que tu vas? Quand tu passes ton temps à me dire, sœurette, il faut étudier. J'ai donc décidé d'organiser une soirée d'études avec certains de mes camarades. On va étudier. Pitié, ferme-la. Hey! Sonia, tu ne sais même pas mentir, ça ne te va même pas. Tu veux aller étudier toute la nuit? Étudie-toi, que je connais. Okay, dis-moi juste que c'est une autre excuse pour découcher. Ça tu va, veux découcher? C'était juste pour te taquiner. En fait, il s'agit de... d'un mec que j'ai rencontré sur Instagram. C'est avec lui que je vais passer la nuit, sœurette. C'est pourquoi je ne vais pas rentrer. Sonia, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive au juste? Combien de fois vais-je t'avertir à propos de ces conneries d'Internet? Devrais-je me disputer avec toi chaque jour à ce sujet? S'il te plaît, je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'entendre la même chose être répétée encore et encore. Tu me donnes l'argent ou pas? Tu me le donnes ou pas? Si tu ne veux pas me donner... Prends. Allez, prends. Merci. Tu vas me manquer. Mouah. T'inquiète, je reviens bientôt. Dis-moi que je suis sexy. T'inquiète, quand je vais rentrer, tu auras tous les détails. Je t'aime, sœurette. Qu'est-ce qui arrive à cette fille? Elle n'écoute jamais. Allô? Annabelle, tu es là. Allô? Annabelle, tu es là. Maman? Ma puce, qu'est-ce qu'il y a? Je veux dire, tu as arrêté de parler. Maman, je te rappelle. Je te rappelle. Annabelle, attends, je vais... Qu'il lui prend. Sonia! Hey. Sonia! Mon enfant! Sonia! Mon Dieu! Sonia, s'il te plaît, ouvre les yeux! S'il te plaît, ouvre les yeux! Hey. Que lui est-il arrivé? Hey. Que lui est-il arrivé? Thank you.
Où étais-tu? Juste dû boire de l'eau. Ok. Rapproche-toi. Il y a effectivement un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche, c'est sûr. Elle avait l'air si abattue et elle a raccroché l'appel. Je dois la rappeler. Et maintenant, son téléphone est éteint. Non. Il y a effectivement un truc qui cloche. Mon Dieu, s'il te plaît. S'il te plaît, mon Dieu. Annabelle? Annabelle? Mon Dieu. Cette maison est vide. Le téléphone est éteint. Que se passe-t-il? Mon Dieu, s'il te plaît, tu ne peux pas me permettre de perdre un autre enfant. Je t'en prie, s'il te plaît. Alors, où est-ce que tu en es avec cette Annabelle? Mais je ne comprends pas. Bien, juste le fait que nous soyons sortis. Et qu'on ait vu environ 20 millions de femmes et que je n'ai Dieu que pour Annabelle, bien qu'elle ne soit pas là, devrait te dire quelque chose. Alors dis-moi. Tu sais quoi? Elle m'a l'air totalement différente de toutes les autres. Et j'espère sincèrement que tu resteras avec elle et arrêter cette mauvaise vie. Hey, tu me traites de donjon? Je ne dis pas que tu es un donjon, mais tout le monde sait que tu en es un. Écoute, j'ai eu une dure journée et je ne vais surtout pas me battre contre toi. J'aime Annabelle maintenant et elle englobe tout ce dont je veux chez une femme, tu vois. Alors je suis heureux. Fais gaffe à toi, ok? Tu dois aller t'échanger, je suis fatigué et affamé. Moi aussi! Un repas pour deux, s'il vous plaît. Ah, quelle sacrée journée. Hein? Ah! Dubem! Dubem! Hé, hey, frangin, qu'est-ce qu'il y a? L'habit! Mais qu'est-ce qu'elle habille? Kay? Waouh! Merci! Mais c'est joli! Waouh! J'aime. Bienvenue dans mon humble demeure. Je fais avec. Se battre, tu dis? Combien sont ces égaux qui peuvent se permettre d'avoir ce que tu as? Qu'est-ce que j'ai? Rien. Je travaille juste dur pour gagner ma vie. Voilà, c'est tout. Je vois. Homme battant. Alors, approche. Et montre-moi combien tu peux être battant.
Alors que je te montre. Mm. Allez, viens, on y va. Par là? Par là. Mm. Ok. Allez. Comment est arrivé cet habit ici? Je n'en sais rien. Je viens juste de la voir. Je suis entré et je l'ai vue. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Attends, Annabelle est-elle venue avec un autre vêtement? Non. Non, parce que, en fait, elle a dormi dans ce lit la nuit dernière, dans mon propre t-shirt. Et ce matin, nous sommes sortis ensemble, donc... Calme-toi, je pense que t'es rempli d'émotions, t'en es sûr? Je suis certain de ce que je dis. Que veux-tu dire par là? C'est très étrange, hein? Mais tu sais quoi? Tu ne dois pas t'effrayer à cause de ça, mec, je veux me débarrasser de ça. Tu vois? Mais que signifie tout ça? Oui, monsieur. Bien sûr, monsieur. Je vous rappelle tout à l'heure. D'accord, monsieur. Merci, monsieur. Excusez-moi, c'était la police judiciaire. Oh, d'accord. D'accord. Je suis également désolé si on n'a pas avancé avec le cas de votre fille. Je ne suis pas là pour ça, officier. Mon autre fille a disparu. Hein? Que dites-vous? J'étais au téléphone avec elle à 3 heures du matin et... soudainement, elle a arrêté de parler pendant un moment. Et puis elle a dit qu'elle allait me rappeler et elle a raccroché. Et depuis lors, elle ne l'a pas fait et son téléphone est éteint. Mais cela ne veut pas dire qu'elle a disparu. Je suis allée dans son appartement. Elle n'y était pas non plus. Et sa voisine m'a dit l'avoir vue hier soir. Et depuis, elle n'est pas rentrée. Cela ne veut toujours pas dire qu'elle a disparu. Je veux dire, elle pourrait être avec des amis quelque part ou avec des copains. Non, monsieur. Je suis sa mère. Et je peux le sentir. Quelque chose ne tourne pas rond. De même! De même! Hé, hey, Mayo, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as fait peur! Je l'ai vu! T'as vu qui? Elle se tenait juste derrière moi. Sonia! J'ai vu Sonia juste là! Ok, calme-toi. Hein? Calme-toi, tu perds la tête là. Comment peux-tu dire que t'as vu une morte? Je sais ce que j'ai vu! Elle était juste là! Oh, Mayo, juste calme-toi, ok? C'est ta pensée qui te joue des tours, mec. Essaye de te détendre, hein? Non. Ce n'est pas réel. Ça fait maintenant plus de 46 heures que quelqu'un l'a vu. Ma fille unique a disparu. Et son téléphone ne passe pas. C'est un rêve. Madame, vous avez dit que vous l'avez eue au téléphone. Et qu'elle a dit qu'elle allait vous rappeler. Et a raccroché. Oui. Savez-vous où elle était exactement? Au moment où vous lui parliez? Je me disais qu'elle était dans son appartement. Officier.
mon enfant a disparu. Elle est la seule qu'il me reste à présent. Et je ne peux pas me permettre de la perdre aussi. S'il vous plaît. Je comprends votre douleur. Mais vous devez vous calmer. Mes hommes sont déjà sur le terrain. Ils remuent ciel et terre pour ce cas et je puis vous assurer qu'on la retrouvera. Je suis allée dans son appartement. Personne ne l'a vu aujourd'hui. Même pas une personne. Je ne comprends pas. Madame, s'il vous plaît. Je veux retrouver ma fille. Juste, aidez-moi à retrouver mon enfant. J'ai besoin d'elle. S'il vous plaît, aidez-moi à retrouver mon enfant. Madame, s'il vous plaît, vous devez vous ressaisir, d'accord? Ok? Travaillons ensemble. D'accord, d'accord. Bien. D'accord. Attends. Ok, d'accord. Ma copine. Salut, bébé. Coucou, mon amour. Je suis là. Comment tu vas? Je vais bien. Tu m'as manqué. Moi aussi. Hé, hey, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que vous avez vu un fantôme. Que se passe-t-il? Hé, hey, Annabelle, bonne arrivée chez nous. Merci. Comment tu vas, Douben? Pas mal. Est-ce que tout va bien? Pourquoi tu fais cette tête? T'en fais pas, ce n'est rien. En fait, j'ai essayé de te joindre toute la journée, mais ton téléphone ne passait pas. Je suis vraiment désolée, je suis désolée. Ma batterie est à plat, ok? Je suis vraiment désolée. J'étais inquiet. Plus besoin de t'inquiéter, ok? Je suis venue te faire à manger, je reviens juste du marché. Ah, écoute, c'est vraiment très gentil de ta part. Tu sais quoi? Nous n'avons rien mangé de bon dans cette... Bien sûr que je le sais, je le sais. Et c'est pourquoi je suis là pour cuisiner pour toi. Alors laisse-moi aller te préparer quelque chose de succulent. Merci, j'ai trop hâte de le goûter. À tout à l'heure, bébé. Cela ne peut pas se reproduire. Cela ne peut pas se reproduire. Mon Dieu, car si cela arrive, je ne survivrai pas. Tu ferais mieux de ne pas le permettre. Que cela ne se reproduise pas. Où Annabelle? Où est-elle? J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Il serait mieux que cela ne se reproduise pas. Seigneur, je te préviens. Que cela ne se reproduise pas. Tu ne m'aimeras pas si cela se reproduit. Crois-moi. Douben. Douben. Debout. Douben, lève-toi et va dans ta chambre. Comment peux-tu te coucher par terre alors que tu as une chambre? Lève-toi. Hey. Allez, debout. Douben. Hey. Douben. Douben. Ah!
je t'ai posé une simple question. Pourquoi tu fais ça? Dis-moi pourquoi tu fais ça. Je t'ai posé une simple question. Et je demande une simple réponse. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi as-tu tué ma sœur? Pourquoi? Je ne l'ai pas tué. Ah! La femme! Ah! Je ne l'ai pas tué. La femme! La... Je ne l'ai pas tué. La femme! La ferme, tais-toi. Tu as tué ma sœur. Pourquoi? Je ne l'ai pas tué, je te dis la vérité. La ferme. Je te dis la vérité. Je ne l'ai pas tué ta sœur. La ferme. La ferme. Veux-tu te mettre à parler? Où veux-tu que ce qui est arrivé à ton ami t'arrive aussi? Pourquoi as-tu tué ma sœur? Je te le demande pour la toute dernière fois. Pourquoi as-tu tué ma sœur? Sauf si tu veux entendre des mensonges. Je peux le faire, mais la vérité est que je ne l'ai pas tué. Je jure sur ma vie. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ta sœur. Je n'en sais rien, j'étais là pour te consoler. Je ne sais absolument rien de tout ça. Je te jure. Qu'est-ce que tu me crois quand j'ai tué ta sœur? Mais où est la clé de ma voiture? Mon Dieu. C'est ça que tu cherches? Puis-je avoir mes clés, s'il te plaît? Je suis en retard pour le boulot. Tu n'es pas sérieux. Donne-moi d'abord l'argent. Ne me fais surtout pas me répéter. Et moi non plus, je ne veux pas me répéter. L'argent. Allez, rends-moi mes clés. L'argent, s'il te plaît. Écoute. Arrête. Tu veux me rendre mes clés? Je ne vais pas te les donner. Donne-moi d'abord. N'oblige pas te briser un ongle. Donne-moi l'argent que je t'ai demandé. Donne-moi clé, allez. Donne-la-moi. Moi d'abord l'argent que je t'ai demandé. Dégage. Sale brute. Écoute, je ne bougerai pas d'ici sans argent. Ah, ce mec est une brute. Je reste ici. Ouh, Seigneur. Tu es un menteur patent. Je te dis la vérité. La ferme. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Ferme ta gueule ou je vais la fermer pour toi. Je ne sais pas ce que tu voudrais que je te dise d'autre. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça fait là? À qui appartient cette carte? Mon nom est écrit sur cette carte. Et je me rappelle l'avoir donnée à ma sœur le jour même où elle est partie et n'est jamais rentrée. Maintenant, dis-moi, comment est-elle arrivée là? Écoute, tu dois me croire. C'est nouveau pour moi. Je n'ai jamais vu cette carte de ma vie. T'es que menteur. Un gros menteur. Je te dis la vérité. T'es que menteur. Un gros menteur. Alors, avez-vous réussi à tracer le numéro? Non, pas encore. On dirait que sa puce a été enlevée du téléphone. Ce qui est nous met en difficulté pour retrouver la localisation du téléphone. Non. Ça ne peut pas se reproduire. Non. Mon Dieu, cela ne peut pas se reproduire. Sinon, je ne survivrai pas. Je ne le survivrai pas. Pitié, ne permet pas que cela se reproduise. Pitié. «
qui se passe? Annabelle, s'il te plaît, laisse mon frère partir. Il n'a rien à voir avec ça. La ferme. Il n'a rien à voir avec Sonia. Il n'a absolument rien traité. La ferme. Ferme ta gueule. Ferme-moi ta gueule. Donc, tu t'es allié à ton frère pour tuer Sonia. Je suis désolé. Je ne voulais pas la tuer. Je ne voulais pas la tuer. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Je ne voulais pas la tuer. Ferme-la. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne voulais pas la tuer. Ne l'interromps pas. Laisse-le parler. Maintenant, parle. Pourquoi as-tu tué Sonia? Pourquoi l'as-tu tué? Hey! Hey, Sonia, t'es là? Est-ce que tout va bien? Oui, mon frère? Je ressemble à sa gardienne. Oh, je suis désolée, je ne voulais pas t'énerver. Tu l'as déjà fait. Ouais, mon frère. Ouais, mon frère. Pshut. Il va venir me trouver ici. Mais c'est une bombe. Un vrai canon. Et j'ai besoin de quelque chose comme elle, là, tout de suite. Elle ne sera pas du tout mal au lit, tu sais. Que lui as-tu fait? Je ne voulais surtout pas lui faire de mal. J'essayais juste de... De la violer? Et maintenant elle est... Elle est morte! Elle ne peut pas être morte. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis foutu. Elle ne peut pas mourir. Où est son portable? Il doit être quelque part par ici. Personne ne doit entendre ou voir ceci, hein? Nous devons nous débarrasser de son corps maintenant. Nous débarrasser de son corps? Oui. Comment est-ce que je vais faire cela? J'ai peur. N'aie pas peur, hein? Je suis là pour t'aider. Alors aide-moi, il fait quelque chose. Donc, tu as tué ma sœur. Et a balancé son corps au bord de la rue avec l'aide de cet idiot. Je n'avais pas l'intention de... Je n'avais vraiment pas l'intention de lui faire du mal. Mais tu l'as fait! C'était un accident.
Que veux-tu dire quand tu n'avais pas l'intention? C'est incroyable! Tu as fait ça, Kayode! Je ne sais pas ce qui m'a pris! Mais qu'est-ce que cela veut dire, au juste? Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai tout donné! Tu me déçois! Je ne sais pas ce qui m'a pris! Je n'avais pas les idées claires et je ne savais pas ce que je faisais! Je te jure! Je te jure que tu me le payeras! Je te jure, tu me le payeras! Je te ferai souffrir! Tu payeras d'avoir fait cela à ma sœur! Je suis vraiment désolée! Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je n'avais pas l'intention. Je n'avais pas l'intention de la tuer. Je ne savais pas du tout ce que je faisais. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'avais pas les idées claires. Maman, s'il te plaît. Appelle la police et venez à la rue numéro 9, Timoko. Maman, ce n'est pas l'heure de me questionner. Maman, appelle juste la police et venez rapidement. Je t'en supplie. Tu me le payeras. Je suis désolée. Je te jure que tu paieras pour tout ce que ma famille a enduré. Je suis vraiment déçu de toi. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues.